ou à un autre, on a tous eu des conflits avec nos parents. Mais imaginez si votre père était connu pour avoir voulu imposer un couvre-feu aux adolescents de sa municipalité. T'es prête? Ouais. Ou bien pour ses opinions particulièrement virulentes lors de la grève étudiante. Comment pouvez-vous garder votre patience devant une bande de déchets comme ça? Bref, imaginez-vous être Virginie Chaloux-Gendron, la fille du chroniqueur et ex-maire de Huntington, Stéphane Gendron. Vous aussi, vous auriez envie de tout péter. Virginie, ça ressemble à quoi être la fille de Stéphane Gendron? Je te dirais que c'est assez confrontant. Dans le fond, la personne en privé et la personne en public, c'est pas la même. Donc, de se positionner entre ces deux personnes-là, c'est pas toujours évident. Ton père, dans le fond, il est pas pareil que ce qu'il projette en public? Mais dans le fond, le meilleur exemple que j'aurais à donner, c'est l'histoire des chats. C'est moins que tout le monde s'en rappelle. Ouais, la fameuse histoire des chats. C'est ça. Premièrement, un chat, ça n'a pas d'affaire dans le chemin. C'est un chat errant quand il est dans le chemin. Alors, bang, j'accélère. C'est pas vrai. Je rassure tout le monde, ça n'est pas vrai. Mais pourquoi tu penses qu'il a dit ça de bord, qu'il écrasait des chats, c'est pas vrai? Non, j'en ai aucune idée. Puis c'est ça qui est le plus difficile à comprendre là-dedans, parce que bon, on pourrait dire, ah, c'est pour avoir de l'attention, faire parler de lui, tout ça, mais je pense pas que ce soit à cause que tu dis que t'écrases des chats, que tu veux que les gens parlent de toi. Hein? Je sais pas, pour donner un spectacle, peut-être. Il y a des gens qui m'écrivaient sur Facebook, tu devrais renier ton père, si tu renies pas ton père, tu devrais avoir honte. Comment j'aurais honte si j'étais toi, ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme si ça a vraiment faute. Des répercussions sur toi, les opinions de ton père, ce qu'il dit dans les médias. Ouais, je veux dire, il va dire un truc, ça passe pas, ben c'est sûr que dans les heures qui suivent le lendemain, ma boîte de messagerie est pleine de messages. Est-ce que globalement, tu dirais que t'es plutôt d'accord ou plutôt en désaccord avec les opinions de ton père? Globalement, je dirais que je suis plutôt en désaccord avec ses positions. Tu sais, ça, c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'enfants qui s'entendent pas avec leurs parents. La seule chose qui est plate, c'est que c'est souvent reporté par le Journal de Montréal, Radio X et compagnie. Donc, à ce moment-là, c'est un peu plus difficile de ce point de vue. C'est arrivé une fois que carrément, t'étais dans les médias, puis il t'a jugé, puis c'était pendant la grève étudiante qu'il avait fait un statut. Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'année dernière, mon copain et moi, on va manger une pizza dans un resto sur Saint-Denis. Puis quand on sort, on voit un manifestant se faire courir après par trois policiers. Donc, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis là, les policiers nous disent de bouger. On leur demande pourquoi. Ils n'ont aucune réponse à nous fournir. Ils commencent à nous pousser dans le dos avec les matraques. Moi, je suis tombée par terre. Mon copain s'est fait poivrer. Donc, moi, j'ai filmé ça. Je l'ai mis sur Facebook. Et c'est là que mon père a repris cette vidéo-là, ne sachant pas que c'était moi et mon copain. Quelqu'un d'autre l'avait partagé. Exact. Lui l'a partagé. Puis là, j'étais une bonne femme hystérique. Mon chum, c'était un pseudo-intellectuel étudiant, le corps est rouge, qui se prend pour quelqu'un d'autre. Quand il a su que c'était nous. Puis il en a rajouté en disant qu'on l'avait cherché, que c'était de notre faute. Puis là, il est allé à Éric Duhaime pour parler de ça. Puis là, c'était rendu, c'était titré « Stéphane Gendron sort contre sa fille corps et rouge qui s'en est pris au policier. » Là, vous portez plainte en déontologie. Et moi, personnellement, je ne supporte pas votre démarche. Le jour où je te plante le téléphone d'en face pendant que tu es au travail, pas sûr que tu vas apprécier. Et si vous vous êtes ramassé à terre pour toutes sortes de raisons, garde, c'est le métier qui rentre. Moi, que ce soit bon, l'histoire des chats, plus tard l'histoire du couvre-feu, les carrés rouges. Tu sais, même si je partageais pas cette opinion-là, je disais rien parce que, tu sais, c'est ses trucs, pis c'est correct. Mais à la seconde, moi, j'ai pris position puis ça n'a pas fait son affaire. Ah ben là, il en a profité. Puis on va à Éric Duhaime, à Télé-Normando, on en parle. Dans le fond, toi, t'es pas du genre à avoir le complexe d'Oedipe puis à rechercher ton père dans tes chums. Non, là. Pas vraiment. Non, c'est pas dans mes habitudes. Je sais que ton père, il a fait partie du combat pour les droits des homosexuels. Puis pour ça, j'ai comme un peu d'admiration pour lui. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est sûr que on peut pas le détester complètement parce que tu sais, il y a toujours un petit truc qui fait en sorte que finalement, tu sais, il est pas aussi con qu'on aimerait qu'il soit con. J'aime la façon dont il nous a élevés parce que grâce à ça, aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut se tenir debout, on a une confiance en nous qui est quand même assez béton. Puis on est vraiment capable de pas se laisser affecter par l'opinion des autres, le jugement, puis on peut vraiment faire ce qu'on veut, sans trop se soucier dans le fond de ce que les gens pensent.